Hey, salut à toi, bienvenue dans ce 2 pour 1 avec Zara, Julien. Salut. Alors, salut, ça va bien? Ça va bien, merci. Super. Dis-moi, de quoi on parle aujourd'hui? Écoute Julien, et toi qui nous écoutes, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de te retrouver devant du monde, dans une salle de réunion ou avec des amis, et vouloir fuir une situation parce que là, ton tour arrive, on va te demander comment ça va, ou on va te demander ton avis. Exactement, t'as envie de te cacher. Et moi, je me souviens, j'avais la gorge qui séchait, j'avais des palpitations quand ça arrivait à mon tour. J'avais juste envie de fuir ou de me cacher sous la table. Si j'avais pu être une petite souris, je me serais transformée. Franchement, et finalement, je finissais par dire, ben, je pense comme elle, je pense comme lui, et je donnais jamais mon avis. Et rentrer à la maison, ben mince, j'ai telle idée, j'aurais pu faire avancer l'entreprise, j'aurais pu faire avancer le projet, et je ne disais rien. Alors, je voulais savoir, Julien, toi, est-ce que tu as un outil que tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Bah, déjà, je vais reprendre un petit peu ce que tu disais, parce que pour moi aussi, c'était la même chose. Je reprenais souvent ce que les autres allaient dire, ce que les autres pensaient, parce que besoin de plaire, l'envie de ne pas déplaire aussi. Ce n'est pas forcément plaire, mais au moins de ne pas déplaire. Et puis arrivé à la maison, tu te dis, mais pourquoi je n'ai pas dit ça? Exactement. Et finalement, avec le temps, j'ai développé cet outil que j'appelle le merci, mais non merci, et qui est applicable à la fois pour toi-même, pour tes pensées, tes idées, tes pensées parasites, mais aussi le point de vue des autres, ce que les autres peuvent parfois t'imposer malgré eux. Et de simplement dire merci pour l'information, merci pour ce que je suis en train de penser, mais en fait ça fait pas de sens pour moi, donc non merci, j'en veux pas. Et ça déculpabilise, t'as pas idée. Ça te permet vraiment de dire ok, j'ai eu cette pensée, ok, il y a eu ce point de vue, mais moi, non merci, ça m'intéresse pas. J'adore et vraiment j'abonde dans ton sens parce que dans le fond, c'est de vérifier si ce que tout le monde fait du sens pour toi. Est-ce que parce que tout le monde fait du yoga, est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que parce que tout le monde décide de voyager en Islande ces temps-ci, est-ce que c'est bon pour toi? Enfin, c'est des petites choses comme ça qu'il faut prendre le temps de regarder, voir si ça fait du sens. Écoute, c'est bon d'écouter, surtout si tu n'as pas d'avis sur la question. Écoute. Mais fais-toi ta propre vérité. Moi, je dis toujours qu'il y a une seule vérité et c'est la tienne. Tout à fait. On a chacun notre vérité et chacun, on doit se la bâtir. Est-ce qu'il y a une religion? Il n'y a pas de religion. Est-ce qu'il y a Dieu? Il n'y a pas de Dieu. Est-ce qu'il y a réincarnation? Il n'y a pas réincarnation. Est-ce que je dois aller au travail? Est-ce que je dois démissionner? Il n'y a pas de bonne manière de faire. Tout à fait. Il y a ta bonne manière de faire. Et regarde, écoute, choisis et avance. Complètement. Et je vais préciser un peu ce que tu disais et on pourra peut-être en reparler dans un 2 pour 1 à l'avenir. Tu as ta vérité comme dit Zara, mais fais attention à ne pas essayer d'avoir raison à tout prix. Exactement. Et conscience que ta vérité doit te servir à avancer. Elle ne doit pas justifier que tu ne peux pas aller plus loin. Effectivement. C'est ça où il faut faire attention. Mais on en reparlera. Hein? Donc, laisse-nous un commentaire ci-dessous. Est-ce que ça t'arrive des fois de vouloir fuir? Est-ce que ça t'arrive de te laisser influencer? Pourquoi tu penses que tu te laisses influencer? Et dis-nous, qu'est-ce que tu vas faire par la suite? Est-ce que ça t'a aidé cette vidéo? Voilà, comment tu vas mettre en application et quelles sont peut-être tes astuces à toi pour ne pas te laisser influencer? Dans la prochaine capsule, on parle de quoi d'ailleurs? Savoir dire. Ouf, ça c'est un gros sujet. Comment on dit non? Ouais. Tu sais dire non toi? Ça dépend des choses en fait. Ça dépend des sujets, ça dépend des gens. On en reparle bientôt. Alors écoute, donne du sens à ta vie. Passe à l'action. Et tu es magique.